Hugo Félin. Oh, cette double. Oh, cette triple. Oh mon dieu, cette fille. Yo les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Cold War sur la bêta. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec clairement une des meilleures armes du jeu. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur l'AK-47 de Cold War. L'AK-47, par rapport aux anciens opus, c'est une arme qui bouge énormément. Elle fait énormément de dégâts, mais elle bouge beaucoup. Mais sur ce Call of Duty-là, elle bouge pas beaucoup et elle fait un maximum de dégâts. Enfin, elle fait un maximum de dégâts à partir d'une certaine portée, en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais au corps à corps, c'est pas une arme super exceptionnelle. Mais à partir de mi-distance et les long shots, mon dieu, c'est une dinguerie, c'est une totale dinguerie, surtout avec son zéro recul, c'est une arme incroyable. Pour ainsi dire, c'est clairement la meilleure arme avec la M16 sur Cold War et c'est une totale dinguerie que je vous recommande de jouer. Le gameplay a été réalisé sur Twitch, donc n'hésitez pas de me follow sur twitch.tv/loctetto parce que la nucléaire a été réalisée en live après de nombreuses games de torture de SBMM et on est tombé sur des games insupportables jusqu'à tomber sur la game qui va faire toute la différence. Les mecs en face avaient vraiment joué, c'était vraiment compliqué, c'est pourquoi lors de ce gameplay là je vais devoir temporiser un peu plus que d'habitude. Normalement vous savez que j'ai un gameplay très agressif, mais à ce moment là c'était clairement impossible. Et surtout qu'on va se retrouver pour une nucléaire à l'AK-47 mon gars, il y a une performance derrière, donc support, soutien. Donc au niveau de la classe, on va se retrouver en premier avec le silencieux, très utile. Au niveau du canon, il faut impérativement ce canon-là parce que ça va faire toute la différence. Portée des dégâts et vélocité de la bouche, c'est le meilleur canon, c'est le canon qu'il faut absolument avoir sur Cold War avec la AK-47. Au niveau de l'accessoire de canon, au niveau de la poignée, donc la poignée d'infiltré pour 5% de vitesse de déplacement de base, 5% de vitesse de déplacement en tirant et 5% de vitesse de déplacement en visant. Vous pouvez le changer parce que lors du gameplay, en fait, je jouais avec la crosse de patrouille pour 5% de vitesse de déplacement en sprintant. Si vous avez toujours pas, on va dire, cette crosse-là dernière, la dernière crosse, excusez-moi, vous utilisez tout simplement la crosse de patrouille avec les 5% de vitesse de déplacement en sprintant, qui est plutôt assez utile. Au niveau du chargeur, on va se retrouver pour le troisième, qui est très clairement le meilleur. Chargeur presse de 40 cartouches, parce que ça permet de viser plus rapidement. Non, ça permet de recharger plus rapidement, mais vous allez perdre quoi qu'il arrive de la vitesse de visée. Et par rapport aux autres trucs, bah, je trouve ça pas vraiment très utile. Donc forcément, jouer avec celui-là, c'est beaucoup plus intéressant. Et pour terminer, on se retrouve avec la poignée arrière du corps expéditionnaire. Lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo sur les différents réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. J'ai vraiment besoin de vous parce que à l'heure actuelle, Cold War, c'est assez compliqué sur YouTube. Je sais qu'il y a certaines personnes qui apprécient pas le jeu, mais qui apprécient mon contenu. Et on n'oublie pas de défoncer cette barre de likes. Tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures. Reshoot. Exactement, Nadarj, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faudrait faire, c'est faudrait qu'il fasse ça tous les jours. Le problème, c'est que t'es obligé d'essayer de trouver des petits stratagèmes pour avoir des accueils un peu plus safe, pour essayer de maintenir. Parce que, de nouveau, à 3 de KD, mec, jamais je pourrais mettre en fait de nucléaire. Si je trouvais pas des mini stratagèmes. Et quand je dis des mini stratagèmes, c'est même contre des mecs qui sont bons quand même, hein. Tu vois, en plus, les nucléaires que je vais mettre, c'est même pas des nucléaires qui ont des total random, tu vois. C'est des mecs qui savent quand même un minimum jouer au jeu. Et c'est déjà assez compliqué comme ça, hein, croyez-moi. Et t'auras beau être le monstre numéro 1, si tu sais affronter quelqu'un en face qui a 2 de ratio, c'est très très compliqué de claquer des nuques. Oh, c'est pas le feed! Ce viol! Merci la machine de guerre. Hein. J'adore la machine de guerre. Ok, série 15. On enchaîne bien là. Ça marche le river boost? Aucune idée frérot, j'ai pas essayé moi. Donc,
peux pas te dire. Ok, série 15. Mais y'a quelqu'un derrière? Les alliés, qu'est-ce que vous faites? Tu l'as eu? Bien joué. Ok, 18. Me mets pas dans la merde, l'allié. Brutal. Je suis à 25. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Attends. Non. Mais non. Youpi. Considérez tous les contacts comme hostiles. Ok, tous les contacts comme hostiles. Oh putain. Bien joué à toi. On a mis une sacrée balle de scope, l'enfoiré. Une sacrée balle. Pourquoi l'allié t'a fui au premier fight? J'entends des bruits de pas à côté. Ils sont pas mauvais. Le en tout cas le sniper il est absolument pas mauvais. Du monde. Un AFK, on en profite. D'ailleurs les amis, on est à 3 subs des 150. Je sais pas si ça va être possible d'atteindre ça ce soir. Pas mauvais lui hein. Ok. On va mettre le micro de terrain. Avion espion ennemi dans les airs. Ok. Avion espion
Je suis focus, hein, les amis. Je suis focus, hein, les amis. Je suis désolé si je me tais. Avion de contre-espionnage ennemi en approche. Le problème, c'est qu'on est brouillé. Ok, c'est un allié. C'est un peu compliqué là. Avion de contre-espionnage disponible pour utilisation. Contre-mesure électronique activée. D'accord, envoyez un avion espion pour survol. Où est-ce que vous êtes ? Nucléaire. Elle est faite! Oh, la dixième nucléaire, elle est faite! Oh, j'en peux plus! Oh, j'en peux plus! Oh, max 2 GG, s'il vous plaît! Oh, j'en peux plus! Bon, je suis désolé, à un moment donné, j'ai pas dû bouger de la maison parce que sinon c'était impossible. Nucléaire! Oui, je crois, ouais. Non, mais un peu plus. Je crois qu'elle a duré 3... Elle durait 3 jours, l'alpha. GG pour la nuque, merci. Bah du coup... C'est good ?